Salut à tous les fanatiques de Mika Mika Dance. Ici un assassin qui va vous montrer mon modèle. Ouais, qui est là. Oui, c'est la première fois que je fais... Non, c'est pas la première fois, parce que la première fois, c'était pour une mission de Adala News, que j'ai essayé désespérément de faire une construction que j'ai mis au moins... je sais plus quoi. Bref, c'est le petit souci, là, c'est que je n'ai pas terminé celle de la mission dont Adala a voulu me demander, mais c'est que c'est juste à cause de mon humeur. Non, c'est pas vraiment à cause de mon humeur, c'est juste à cause de mon petit problème personnel d'amour et tout ça. Et je déteste l'amour. Enfin, presque. Enfin, moi. Enfin, je sais pas. Enfin, vous verrez. Bref, là je suis en train d'éteindre la télé, désolé. Bref, celle-là je l'ai mis 3 heures à le fabriquer, avec la texture et tout ça. Et comme une gnagnole, j'ai enlevé les émotions, donc elle n'a pas d'émotion pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant, parce que moi, je vais essayer de trouver le problème et je pourrai essayer. Alors, si vous avez des conseils à propos des bones et tout ça, bon, pour la queue ça va, pour les ça va. Ce qui m'énerve, ce sont les petits points là. Que je voudrais presque avoir moins de bonus, moins de problèmes de... Bref. Vous voyez. Il y a aussi quelques petits défauts, c'est que dans le torse là, on peut voir le torse qui sortait quand j'ai utilisé le motion let's go to the bathroom, quelque chose comme ça. Let's go to the bathroom. Pour un petit extrait, je vais faire comme ça. Number one, the number one, the ouais, vous voyez ce que je veux dire. Désolé. Alors, ouais, voilà. Et vous avez deviné ce que c'est comme motion, c'est le Macarena. Ouais, Macarena. Que je faisais exclusivement. Ouais, exclusivement. Non, j'arrête mes conneries. Et regardez Mouyasa. Bon, merci. Bon, pour ceux qui sait, pour dire si quelqu'un avait, je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'a demandé comment il faut faire pour trouver des motions et tout ça. Eh ben, il fallait aller sur des yandars, trouver des motions. Attends, je vais vous montrer comment ça se trouve. Là, ça se trouve sur Deviantart.
je vais prendre avec encore un demi-truc là. Voilà, vous verrez, vous voyez ma BD. Hein. Si vous voulez voir ma BD, c'est maintenant ou jamais. Après, vous faites MDD Motion. Et voilà. Vous trouvez en un clic les motion d'index et tout ça. En trois parties. Ensuite, une fois elle est là-bas, il y a une description tout ce que vous avez besoin. 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3, dans ce 1, 2. Alors, bref, si vous avez, il y avait le téléchargement des motions et du WAV. WAV dans le. Et si vous voulez compresser, il fallait juste trouver un compresseur. Donc moi, je vais vous montrer. Ouais, vous avez remarqué que je suis un fanatique de My Little Pony. Bon, on laisse tomber. Là, ici, le Free MP3 WAV Convention. C'est mieux que l'autre. Que je les ai foutus à la poubelle parce qu'il faudra éviter celle-là. Ouais, il faudra juste éviter celle-là. Et quoi d'autre? Bah, rien d'autre. Tiens, il y a un truc que je vais vous montrer. En fait, je sais pas comment. Avec le. Si ça marche. Il y a toutes les WAV qui sont là. Alors, je vais essayer de faire mieux. New Project ne répond pas. Mais on s'en fout. Alors. Bref, voici le Mikumiku Movie. C'est un peu comme le Mikumiku Dance, mais il y a une toute petite différence. Alors, pour s'en en procurer, il fallait aller sur le logiciel sur le truc du MVP, là, VP Wiki. Miku. Dance. Je vais vous montrer là tout de suite. Vous allez sur le site comme indiqué sur le WGM, le site .tpay.indira. Ouais. Et vous allez d'aller dans le mock project. Une fois allé là-bas dans le mock project, y aller. Attendez, qu'est-ce que je me trompe pas? Vous allez sur le site. Hein, voilà. Sur le site japonais et vous trouvez Mikumiku Movie. Donc vous avez Mikumiku Movie. Non. Ensuite vous allez cliquer sur là. Et une fois d'aller sur là, il faudra choisir l'ancienne version qui soit là. Si vous avez 32 bits, vous allez prendre celle-là. Si vous avez 64 000, vous allez les prendre celle-là. Bref. Et aussi, pendant le téléchargement, n'ouvrez pas tout de suite le zip. Non. Vous l'ouvrez tout de suite. Non. Vous l'ouvrez. Sur zip.
sur le dossier compressé. Vous avez cliqué avant de l'extraire, vous allez cliquer 3 sur la souris et ensuite d'aller sur le propriété et débloquer. Parce que quand vous faites le téléchargement et que vous ouvrez tout de suite, il bloque certains des trucs et que vous ne pouvez pas continuer à avancer. Alors ça c'était une question piège, c'était vraiment un piège et que je remercie à celui qui a fait la vidéo mais que c'était un anglais. Ouais, c'est un anglais qui a fait ça et qui nous a montré comment il faut faire. Oh, et ensuite pour aller sur le plugin, il y a sur le plugin, il y a le il y avait pas le le Lip Siri, le Lip 8, le 8 version 0.10. Et à quoi ça sert celle-là? Ça sert à ouvrir un fichier WAV. Ça sert que lorsque vous avez mis un fichier WAV, WAV si vous voulez, et que vous cliquez sur le logiciel, sur ce bouton, il va automatiquement savoir quelles lèvres soient bougées ou non. Et que ça prenne quelques petites minutes et tout ça. Ouais. Bref, ensuite. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, je prends Marine Kagamine. Vous voyez, c'est comme si vous êtes sur le Mink Maintenance. Il y a aussi la motion inclus. Hein. On peut exporter la motion comme ça. Bref. On va chercher un audio. Celle-là. On attend quelques minutes. Voilà. Ensuite, j'espère que je fais pas de conneries. Ensuite, je vais essayer de faire ça. Ah. Voilà l'explication. C'est que dans le truc, il est écrit que qu'on peut pas continuer, qu'on peut pas faire la moitié des trucs, qu'il fallait que vous modifiez votre fichier à 40 à 48 kHz et 16 bytes. En gros, c'est de la merde. C'est à ne pas dépasser. Bon, je vais choisir une autre parce que j'ai presque rien compris, donc c'est une nouveauté pour moi et pour vous aussi. Alors, je vais essayer celle-là. Je vais retirer, remove. Hop, je vais le glisser là. Hop, et voilà. Ensuite. Oui, c'est voilà ce qui arrive quand quand on connaît pas trop le vocal ou le micro-moving. Bref, ça remplace votre fast lip. Vous savez, le fast lip comme ça. Vous savez, celle-là. Le fast and lip. Bref. Voilà. C'est juste comme ça. Si vous avez d'autres questions, vous me dites. Et je vous dis à plus et
Merci de votre de votre attention et autre chose. Et peut-être à une prochaine fois. Bye bye. Sayonara.